Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, nous sommes le 19 mars 2022 et tu es à Bruxelles. Olivier Mukuna, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même nous sacrifier à l'obligation de te présenter. Donc, Olivier Mukuna, tu es journaliste. Tu as collaboré avec plusieurs médias mainstream en Belgique et ensuite tu es passé au statut d'indépendant. Tu collabores avec beaucoup de médias en ligne et avec des médias au Luxembourg, si je ne me trompe pas. Actuellement, tu es un collaborateur régulier du média en ligne Cité 24. Et ce qui fait qu'on a demandé cette interview aujourd'hui, c'est justement un papier qui a été publié dans Cité 24 qui racontait l'évacuation de 9 étudiants congolais qui étaient pris dans la guerre en Ukraine. Tu as fait un papier là-dessus, tu as fait un papier sur le tri racial des réfugiés à la frontière polonaise, mais tu n'es pas resté juste à raconter ce qui s'est passé. En fait, tu as été membre d'un collectif qui a organisé l'évacuation de ces étudiants. Donc, je voudrais que tu nous racontes un peu ce soir comment s'est mise en place cette action qui a été menée par le collectif Change sous la houlette de Dido Lakama. Comment est-ce que cette action a été mise en place? Oui. Voilà. Alors, d'abord, je veux juste quand même préciser, donc, je suis resté dans mon rôle de journaliste, mais évidemment, contrairement à d'autres journalistes, surtout de mon pays, en Belgique et Bruxelles, eh bien, quand j'ai appris que cette coordination congolaise se mettait en place, pilotée par Dido Lakama, coordinateur de Change, effectivement, quand j'ai appris que cette coordination se mettait en place, eh bien, évidemment, j'ai voulu suivre au plus près c'est son action, parce qu'elle se mettait en place pour essayer d'exfiltrer des étudiants congolais bloqués à Soumy. Soumy, c'était une des premières villes qui a été bombardée avec Kiev et qui est située au nord-est à 30 km de la frontière russe. Et dès le 24 février, Soumy et Kiev ont été bombardés, donc ont reçu leur premier bombardement. Donc, ces étudiants sont bloqués là-bas, l'armée russe avance, continue ses bombardements. Et cette coordination congolaise, à partir de Bruxelles, se met en place, une série d'associations pilotées par Dido, donc, font tout pour essayer d'envoyer des gens le plus près possible de la frontière polonaise, ou même pour, des voitures étaient prêtes à entrer à l'intérieur de ce pays en guerre. Mais bon, voilà, finalement, on n'a pas dû le faire, mais à un moment donné, ça a été une des possibilités, dans le sens où, comme je le raconte dans mon article sur Cité 24, que tu as cité, Magla, merci, dans ce papier, ben voilà, je fais partie en tout cas d'un des premiers journalistes en Belgique qui a dénoncé la négrophobie et le racisme que subissaient les étrangers africains en arrivant à cette frontière. Donc, c'est-à-dire, on les mettait sur le côté, non, vous les Noirs, vous passez pas. Et à plusieurs postes, plusieurs gardes frontières ont mis les étudiants africains sur le côté. Ils ont dû dormir par des moins 10, des moins 15. Et nous, c'est les infos qu'on avait pendant que les 12 étudiants congolais commençaient à pouvoir bouger d'un endroit à l'autre, mais pas encore prendre des voitures, les voitures de l'Exode, c'est-à-dire celles qui font beaucoup de trajets pour arriver dans les dernières villes, comme Lviv, etc., les dernières villes avant la frontière. Bon, voilà, donc moi j'ai suivi ça au jour le jour. Mon dernier article, c'était l'article dont tu parles. Et puis après, je voulais évidemment en écrire d'autres, mais chaque jour c'était différent. Chaque jour, on savait pas si l'exfiltration allait réussir. Et puis à un moment donné, elle a réussi. Ils sont arrivés vers le vendredi passé, vers minuit, plus que 6 étudiants et pas 12. Et ils sont arrivés vers minuit à Bruxelles. Et 48 heures plus tard, ils m'ont permis de les interviewer, en tout cas deux d'entre eux. Et j'en ai fait une vidéo qui maintenant a été diffusée sur YouTube, parce que, évidemment, comme d'habitude, ça n'intéresse pas les médias belgo-blancs
pour lesquels j'ai travaillé il y a quelques années. Voilà, les médias mainstream belges, ça ne les intéresse pas d'avoir un sujet en profondeur sur cette question. Parce que non seulement ces étudiants ont été victimes de, enfin, en tout cas, ont subi ou ont vu des traitements racistes, des traitements différenciés quand ils étaient en Ukraine, pas quand ils sont passés à la frontière polonaise, heureusement pour eux, eux n'ont pas vécu ce genre de choses, mais maintenant, en Belgique, ils ne sont pas traités comme des réfugiés ukrainiens. Ils sont traités comme des étrangers qui doivent faire les procédures d'asile vexatoires et en général qui n'aboutissent à rien, comme les Afghans, les Syriens, etc. Au lieu d'être traités comme les mêmes réfugiés ukrainiens qui ont fui un pays en guerre. Bon voilà, je vais un peu m'arrêter là parce que j'imagine que tu as d'autres questions, mais voilà, en gros, j'ai écrit un article, j'ai fait un reportage vidéo qui est sur YouTube et qui s'appelle « Réfugiés congolais d'Ukraine, un accueil en trompe-l'œil ». On peut le retrouver sur YouTube, il suffit de taper, voilà. Et voilà, donc pour moi, en tant que journaliste, c'était très important de suivre cette mobilisation de plusieurs associations de la diaspora congolaise, ici à Bruxelles, pour sauver ces jeunes qui auraient pu mourir là-bas, ou en tout cas mourir même pendant leur trajet. Donc c'est vraiment, une belle opération humanitaire de sauvetage d'une dizaine d'étudiants. Finalement, il y en a trois qui sont partis en Roumanie, un qui est resté en Pologne, et finalement, ils étaient six. Donc il y a six étudiants qui sont arrivés à Bruxelles sur un total de 12, c'est ça, voilà. Qui ont été évacués. C'est ça. À l'heure où nous parlons, on a une idée du nombre d'étudiants congolais qui seraient encore restés ou qui seraient encore bloqués en Ukraine? Voilà. On a aucune idée du chiffre exact. Et moi, si tu veux, j'ai encore un ou deux contacts de Congolais qui sont toujours en Ukraine, à Lviv et à Ternopil. Donc, eux me disent que depuis maintenant, ils n'ont plus vu, ils ont aidé beaucoup d'étudiants à partir. Donc, si tu veux, pour le dire, donc, il y avait ce convoi, la coordination congolaise qui a aidé ces 12 étudiants. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés, je dirais, avant et dès le début de la guerre, mais par des groupes séparés, hein, donc à deux, à trois ou tout seul, jusqu'en Belgique. Et donc, chez nous, on dit qu'ils seraient entre 30 et 50, mais en fait, on n'a pas de chiffre exact à Bruxelles et on n'a pas de chiffre exact de combien d'étudiants sont encore en Ukraine. Moi, dernièrement, j'ai vu, et là c'est pour les Camerounais, un très bon reportage de France 24 qui expliquait que beaucoup de Camerounais, étudiants notamment, étaient encore bloqués donc en Ukraine et là où ça bombarde vraiment. On va juste préciser que, puisqu'il y a deux Congos en Afrique, donc là on parle précisément de la RD Congo. J'imagine aussi qu'il y a des étudiants de l'autre Congo qui sont bloqués en Ukraine, c'est possible, et pour lesquels on n'a pas de nouvelles non plus. Absolument. Moi, c'est vrai que j'ai été vraiment en contact avec donc des étudiants de Congo RDC, Congo Kinshasa. Et qui étaient en Ukraine pour certains depuis soit 3 semaines, soit 1 an, et puis bon, d'autres quand même 3-4 ans. Mais la plupart, ils venaient de commencer leurs études. Donc c'est des jeunes gens qui venaient à peine de commencer leurs études. C'est ça, qui venaient à peine de... Ils avaient fait 1 an, soit ils venaient de s'inscrire, et par exemple Nathan, un des jeunes que j'ai interviewé, il a 19 ans, et il était depuis 1 mois en Ukraine quand la guerre a commencé. Il avait à peine fait 1 mois. Et sur la route, comme il l'explique dans ma vidéo YouTube, sur la route, à un moment donné, il a vraiment cru que sa dernière heure arrivait parce qu'ils ont croisé une longue chaîne de chars russes. Mais heureusement, ces chars russes, finalement, se sont pas arrêtés, ont continué leur trajet et n'ont pas foncé vers eux, quoi. Mais ouais, c'est pour l'instant, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts de combien de Congolais, étudiants ou non, il reste encore en Ukraine. Et c'est compliqué parce que, je dirais, même d'un point de vue, en tout cas du point de vue de l'ambassade ou des autorités congolaises,
Moi, j'ai tout essayé pour avoir un interview, voilà, que l'ambassadeur réponde au moins. Et pour l'instant, c'est bon, c'est une C'était infraction. ma prochaine question. Donc, tout le temps que cette action a été menée, vous n'avez pas obtenu de l'aide de l'ambassade du Congo, des autorités congolaises. Il n'y a rien. Il y a même le président congolais qui était en Belgique ces derniers jours. Oui. C'est ça, exactement. Oui, donc par un concours de circonstances, donc quand les six étudiants congolais réfugiés d'Ukraine arrivent à Bruxelles, Félix Tshisekedi est à Bruxelles. Donc non, finalement ils l'ont vu. Ils ont d'abord été voir l'ambassade et puis ils ont été reçus par le président. Ce qu'ils se sont dit a du mal à filtrer. Donc il y a plusieurs hypothèses de ce qu'ils se sont dit, hein. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que je ne peux pas affirmer ce qu'ils se sont dit. Mais ce que je peux te dire quand même, c'est que à partir du moment où les autorités congolaises n'ont rien fait au moment où ces étudiants appellent au secours via des Zooms, via Internet, etc., les autorités sont pas là, sont absentes, comme beaucoup d'autres autorités africaines. Quand la coordination congolaise se met en place et commence à la fois faire des appels partout sur Internet pour qu'il y ait des dons, pour qu'ils puissent payer des voitures, pour qu'ils puissent payer des chauffeurs, pour qu'ils puissent payer la logistique de ce qu'il faut payer pour essayer de les exfiltrer, à ce moment-là, voilà, l'ambassade, entre guillemets, se réveille et donc il y a les autorités suivent les autorités congolaises, donc à partir de l'ambassadeur de la RDC à Bruxelles, suit les choses. Et d'une manière ou d'une autre, aide financièrement aussi. Donc ça je peux l'affirmer. Donc ils ont été derrière, voilà, ils se sont mis derrière l'initiative, si tu veux, sans que quelqu'un prenne la parole publiquement pour le dire. Comme ça n'avait pas l'air aussi d'une récupération politique. Et ça, ils ont bien fait, je pense. En tout cas, l'ambassadeur a bien fait. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de toute façon, les mêmes questions se posent tout le temps, c'est-à-dire sur ce dossier. C'est-à-dire qu'on a vu, et tout le monde l'a vu à travers Internet, que ce soit chez toi au Québec ou ici en Europe ou même en Afrique, les autorités marocaines, nigérianes et ghanéennes ont été très vite sur le pont quand les étudiants commençaient à appeler au secours, leurs ressortissants ont commencé à appeler au secours. Il y avait quelqu'un tout de suite de l'ambassade du Maroc à la frontière polonaise, pour justement débrouiller enfin voilà, dire, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à avoir des comportements racistes comme ça, nos ressortissants sont bloqués de l'autre côté, laissez-les venir, on va les prendre en charge, etc., etc. Donc il y a eu des représentations africaines qui ont tout de suite fait leur boulot et travaillé assez vite, et puis d'autres, malheureusement, plus lentes, et qui donc prenant des risques avec des vies, hein. C'est pour ça que je le dis, hein. C'est pas uniquement. Il faut absolument travailler vite ou pas. C'est plus vite on est sur place, plus vite on peut sauver les ressortissants. Enfin, en tout cas, les exfiltrer sains et saufs. Voilà. Parce que bon, maintenant, il y a déjà quand même deux Camerounais qui sont morts. Hein. Le chiffre qu'on a, c'est ça. Hein. Donc, il y a deux civils Camerounais qui sont morts en Ukraine. Bon, Et c'était des étudiants? c'est un chiffre. Apparemment, ce serait une femme et un homme. Donc, mais. Étudiant, je ne sais pas. C'est donc mon confrère, le journaliste enfin, de France 24, voilà, qui a affirmé ce chiffre. Mais ce sera à vérifier. Mais voilà, plus tard on intervient, c'est tout ce que j'ai envie de dire, plus tard les autorités africaines interviennent et mettent tout en place, plus le risque de mort augmente, évidemment. C'est l'évidence. Donc moi, c'est pour ça que j'ai envie de souligner que. Même si les autorités congolaises, effectivement, enfin en tout cas l'ambassadeur RDC à partir de Bruxelles a aidé, était là, a soutenu et a facilité la rencontre aussi entre Félix Tshisekedi et les réfugiés une fois qu'ils étaient sur place, il y a eu, je dirais, un retard à l'allumage, hein, comme on dit en langage diplomatique, voilà, une lenteur quoi, qui est vraiment dommageable. Et qui ne doit plus se reproduire. Je veux dire, les ressortissants congolais ont droit à la sécurité partout où ils se trouvent dans le monde, et c'est de la responsabilité de leurs autorités de tout faire pour leur venir en aide quand ils sont piégés dans un pays en guerre, tout de suite, sans attendre. En fait, la coordination congolaise,
entre guillemets, ça devrait pas exister, ou en tout cas, ça devrait exister en. C'est pas, si tu veux, Magloire, c'est pas la coordination congolaise qui doit être devant et les autorités de RDC derrière, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être la coordination congolaise qui s'accroche à tout ce que fait les autorités derrière. Bon, ben c'était un peu l'inverse. Je le déplore, je trouve ça dommage. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Et j'espère pour une fois que cette terrible tragédie de la guerre d'Ukraine, ben ce sera la dernière fois qu'on voit les autorités congolaises réagir pas assez vite par rapport à d'autres autorités africaines, je le répète, comme le Maroc, le Ghana On ou. fait beaucoup de reproches à nos autorités. Là, on va rendre à César ce qui est à César. Donc, on va préciser que l'ONG Change a entamé les démarches. L'ambassade a suivi derrière financièrement. Et par la suite, les étudiants qui ont été exfiltrés ont été reçus à l'ambassade et ont pu rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se sont parlé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça, on n'en sait rien, donc on ne peut pas spéculer là-dessus. Mais voilà ce qu'a été la part des autorités congolaises jusqu'au moment où nous parlons. Oui, tout à fait, c'est ça. Et maintenant, ils sont, je pense qu'ils sont encore sur le dossier, hein, parce que, bon, voilà, il y a, comme je te le disais, donc, que vont faire ces étudiants à Bruxelles maintenant qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leurs études comme les réfugiés ukrainiens blancs qui étaient aussi aux études et qui vont pouvoir étudier sans problème? Est-ce qu'ils, voilà, tout simplement, est-ce qu'ils vont être accueillis de la même façon? Eh bien, pour l'instant, la réponse est non. De ce point de vue-là, les autorités congolaises ont aussi sans doute quelque chose à dire, aux autorités belges, aux autorités, à l'Union européenne en général, qui, depuis le début de cette guerre, dit que tous ceux qui fuient l'Ukraine ont droit à être à l'asile, à être accueillis, avoir une empathie, une solidarité de la part du peuple européen qui comprend qu'est-ce que ça veut dire fuir une guerre maintenant. Hein. Avant, ils comprenaient moins bien. Mais quand ça se passe en Europe, maintenant, ils comprennent. Eh bien, est-ce que pour cette compréhension va s'arrêter moi je le dis, quoi, à un triage racial. Donc, c'est-à-dire, vous fuyez la même guerre, mais vous, vous êtes blanc, on va s'occuper de vous. Non, vous, retournez au Congo, retournez d'où vous venez, on ne sait pas. Ah, vous étiez en Ukraine, mais vous êtes noir. Non. Enfin, en tout cas, pour moi, ça, c'est pas les valeurs de l'Europe, si tu veux. Et je veux juste terminer par là. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces étudiants? Eh bien, je pense que voilà, l'ambassadeur de RDC et les autorités de RDC à Bruxelles ont leur mot à dire par rapport à ça, parce que ces étudiants, eux, ils voudraient bien simplement continuer leurs études On va en Belgique. parler de ce trait racial parce que j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, étant donné que ce sont des questions sur lesquelles tu travailles depuis de nombreuses années. Mais avant cela, j'ai une question à poser, c'est est-ce que tu peux nous brosser le portrait de cette organisation, de cette ONG Change, dirigée par Dido Lacamawi? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est l'organisation entre guillemets pilote ou en tout cas qui a aggloméré autour d'elle toute une autre série d'associations belgo-congolaise, afro-descendante, mais bon, autour de effectivement Change SDL, et ils se sont appelés, pour avoir un nom générique, la coordination congolaise. Maintenant, voilà, Dido Lacama, coordinateur de Change, a eu un grand rôle dans la création de cette coordination congolaise, et Change, c'est en fait l'ASBL, pourquoi elle est un peu la plus connue et qu'elle ressort un peu du lot, c'est parce que c'est l'association qui a mis en place la manifestation Black Lives Matter à Bruxelles, donc 2 semaines après la mort de George Floyd en 2020. On était en plein confinement, enfin, on était censé rester chez nous, pas bouger, c'était le Covid, etc. Il y a ces images atroces de la mort de George Floyd étouffée le 25 mai 2020. En à peine 12 jours, cette petite association qui était connue évidemment du monde afro-descendant, etc., mais pas du pays tout entier, pas de la Belgique tout entière, et encore moins des médias belgo-blancs, qui ne savaient pas du tout qui c'était, eh ben, en moins de 12 jours, ils organisent cette manif où, je dirais, le plus grand chiffre qui était attendu, c'était 3 000, 5 000 personnes. Eh ben, il y a eu plus de 15 000 personnes qui étaient là, et il y en a qui disent même 20 000. Voilà, la police dit 10 000, mais on sait que c'est faux, c'est autour de 15 000, 15, 18.
Donc c'est une pour la population belge, etc. Enfin la taille et les manifs en général, c'est une énorme réussite. C'est une manifestation qui a réuni tout ce qu'il y avait d'afro-descendants pratiquement sur la place Poulhard, la place qui est devant le palais de justice de Bruxelles, mais aussi des blancs, des maghrébins et voilà. Donc c'était arc-en-ciel. Il y avait toutes les couleurs avec dominance noire. Afro-descendants subsahariennes, pour dénoncer les violences policières et dénoncer évidemment le racisme qui les accompagne souvent quand ça se passe aux États-Unis ou en Belgique, c'est la même chose. Voilà, c'est comme ça que Change a eu son étoile de mérite, parce que bon, voilà, tout le monde a découvert à cette occasion que cette association pouvait organiser des manifestations de cet ordre-là, même si il y a eu des dérapages vers la fin de la journée de manifestation. On sait très bien que ces dérapages sont venus se greffer, hein, donc c'est pas la manifestation en elle-même, ça a été dit et redit. Cette manifestation, elle a failli être diabolisée par une partie du monde politique qui pensait que à cause de cette manifestation, on avait créé, nous, les afro-descendants, tous des clusters partout dans cette ville et que le Covid allait remonter en flèche. Il n'en a rien été, donc ils se sont ridiculisés, tous ces. Enfin, la politique de droite, hein, je peux même citer des noms, etc. Mais enfin, soit. En tout cas, les gens bien marqués à droite se sont ridiculisés en parlant de cette manifestation qu'ils ne comprenaient même pas d'ailleurs, hein, puisqu'ils ne savent pas qu'il y a des violences policières qui touchent majoritairement les Noirs et les Arabes. Voilà, donc Change a organisé ça, et de manière vraiment de main de maître, en tapant d'un grand coup sur la table, je dirais, de ce point de vue-là, et à tel point que ben, finalement les politiques se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai qu'il y a un problème de racisme, il y a un problème décolonial, il y a un problème, voilà, on parle beaucoup de décolonisation ici en Belgique, décoloniser l'espace public, décoloniser les esprits, etc. Et donc, moi je pense que cette manifestation organisée par Change a été le coup d'accélérateur politique pour dire. Bon, on va essayer de faire quelque chose contre ce racisme structurel qu'on ne peut pas nommer comme ça, évidemment, hein. Contre cette négrophobie qu'on ne peut pas nommer comme ça non plus, on va la nommer autrement. Mais on va essayer de faire quelque chose, effectivement, voilà, pour que une bonne partie de la population bruxelloise, qui a des origines africaines et belges, qui a des origines africaines, soit se sente reconnue et pas tout le temps agressée, diabolisée, ou même en butte à la discrimination. Raciste et racial, voire des violences policières racistes et raciales. Voilà. C'est pour ça que. Donc tout ça se passe en 2020. Dido a été justement désigné comme conseiller dans un rapport de travail au niveau du Parlement régional bruxellois pour justement avoir son mot à dire dans le groupe de travail par rapport à la décolonisation de l'espace public, donc sur certains statuts coloniales, ajouter d'autres statuts décoloniales. Des noms de rue au nom de martyrs justement qui se sont battus contre la colonisation au lieu d'avoir tous les noms de rue qu'on a à Bruxelles, la majorité c'est des noms de colons, donc de gens qui ont massacré des Congolais, qui ont massacré des Rwandais, qui ont massacré des Burundais, des colons militaires qui ont massacré du temps de la colonisation sous Léopold II. Ben voilà, nous on a encore des noms de rue avec, les noms, les patronymes de ces colons. Alors, ça va être très difficile de les enlever tous, en tout cas, je ne le verrai pas de mon vivant, mais je veux dire, le travail est vraiment enclenché et Dido Lacama a fait partie d'un des signataires de ce rapport. Alors, donc voilà, d'un point de vue politique, si tu veux, et je vais terminer là, ça avance, ou en tout cas, depuis Black Lives Matter, Brussels, 2020, 2022, il y a vraiment une évolution politique et même les médias ça c'est un des dossiers sur lesquels je vais vous travailler. Les médias belgo-blancs sont encore très racistes et très négrophobes. Et bien même eux, ils sont obligés de suivre le monde politique qui a compris qu'il faut bouger, qu'on ne peut plus rester dans la Belgique de papa où en fait être belge, c'est être blanc et puis il y a des noirs comme ça de temps en temps pour jouer au foot, pour faire du Stromae, de la musique, de Damso, tout ça, mais le reste non. Non, en fait, la Belgique, comme l'Europe, doit comprendre que être belge ou être européen, c'est pas être blanc,
être d'une certaine culture. Donc, tu peux avoir la peau noire, tu peux avoir la peau brune, tu peux avoir la peau jaune, etc., etc. Et tu peux être européen, belge, voilà. Bon, les politiques commencent à vraiment saisir qu'il faut faire quelque chose comme ça et que tout le monde doit être traité sur un pied d'égalité et en finir avec les discriminations systémiques et le racisme systémique. Les médias suivent pas très bien, mais bon, voilà. Et alors maintenant, on est face à cette horreur, voilà, de la guerre d'Ukraine, où on constate, et d'ailleurs Guido l'a dit aussi dans ma vidéo, mais je suis complètement d'accord avec sa réponse, ben on constate un solide recul. C'est-à-dire que par rapport à ce triage racial qui a déjà eu lieu dès le départ en Ukraine, dans les trains, dans les bus, puis à la frontière polonaise, et puis maintenant sur comment on est traité, je veux dire, ici, on a des sites internet, si tu veux, où les gens qui ont des maisons, les vieilles personnes qui ont des maisons, où ils ont des chambres vides, etc., peuvent s'inscrire sur le site internet de officiel des autorités pour pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux, etc. C'est très bien, mais moi, je n'ai jamais vu ça du temps des Afghans, des Syriens ou des Congolais. Voilà. Donc, ceux qui sont déjà sur place et qui, enfin, les réfugiés actuels, afghans, syriens, et qui voient ça, hein, comment tu veux qu'ils le voient autrement que comme du racisme? Ça, c'est un. Et deux, bah, il y a plein de gens qui fuient l'Ukraine et qui ne sont pas ukrainiens. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous allez continuer donc à faire du triage et du racisme ici aussi, avec les Ukrainiens ont droit au tapis rouge du droit d'asile et les autres. Retourner chez vous ou bien aller au guichet 332, refaire la file et de toute façon on vous dira non et on vous expulsera à la fin. Voilà. J'ai essayé de résumer, mais en gros c'est donc il y a une espèce de déni, si tu veux, de déni du fait que eh ben une forme de racisme et de négrophobie, de triage racial est en train de se mettre en place dans la pratique, peu importe les discours mensongers, je vais le dire, hein, de Charles Michel ou d'autres autres, parce que Charles Michel, président quand même à la Commission, enfin à l'Union européenne, là, président j'arrive jamais à retirer son titre tellement il sert à rien, mais bon, on a von der Leyen qui est la commissaire, ok, enfin, qui est la présidente de la Commission, mais Charles Michel ose dire que voilà, tout réfugié sera traité un réfugié égal à un autre réfugié, et tous ceux qui fuient l'Ukraine seront traités de la même manière. C'est déjà pas le cas maintenant, ici, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Suisse. Bon, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, on me le dira. Donc, ok, mais il y a quand même des étudiants africains qui sont à Genève maintenant. Je veux dire, il y a une hypocrisie qui continue sur cette guerre d'Ukraine qui doit s'arrêter maintenant. Moi, je suis très content qu'on ait déroulé le tapis rouge pour les réfugiés ukrainiens, détenteurs d'un passeport ukrainien, magnifique, parfait. Mais j'estime qu'il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, ou en tout cas, alors, voilà, on sanctifie le racisme comme pratique européenne. Une des valeurs européennes, c'est le racisme, alors. Quand il y a un pays en guerre, on accueille les blancs, on met les noirs de côté, ou on les laisse crever là-bas. Mais alors qu'on le dise, qu'ils le disent, une bonne fois pour toutes. Parce que là, ça fait 3 semaines que cette guerre a démarré et s'est enclenchée. En tout cas en Belgique, et j'ai des contacts avec les autres pays. Hein, donc je suis en train d'écrire un article sur justement les trois, quoi. Donc Luxembourg, Belgique et France. Je suis désolé, on se met la tête dans le sable, on fait semblant de rien, on dit non, 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 c'est de la propagande russe, c'est des racontars de noirs qui veulent avoir des papiers, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, c'est scandaleux la manière dont on essaie de tourner le dos à ce problème de racisme qui est pratiqué par les autorités administratives et, je dirais même politiques, finalement, parce que normalement, toutes ces administrations doivent obéir aux politiques. Eh bien, à un moment donné, qu'ils assument que la solidarité, le droit d'asile pour les pays en guerre, c'est uniquement pour des Ukrainiens blancs, pas pour des étrangers qui ont vécu en Ukraine, qui étaient en Ukraine et qui ont fui les mêmes bombardements, la même guerre. Et alors, c'est très difficile, évidemment, pour eux d'avouer ça ou d'assumer ça, parce qu'ils assumeraient ouvertement
leurs pratiques racistes. Alors ils font semblant, que le problème n'existe pas et nier, mais je suis désolé, ils se comportent à l'époque de, enfin 1950-60, quoi, quand les réseaux sociaux et Internet n'existaient pas. Aujourd'hui, c'est pas possible de continuer à mentir comme ça ou à faire semblant qu'il n'y a pas de problème racial dans l'accueil et le traitement, surtout, des réfugiés d'Ukraine. Quand vous êtes réfugié d'Ukraine avec un passeport ukrainien, c'est tapis rouge. Vous avez droit à tout. Quand vous êtes réfugié d'Ukraine sans passeport ukrainien, étranger, avec un autre passeport, vous devenez un migrant de nouveau. Enfin, voilà. Maintenant, on ne parle plus de migrants. Hein. Les réfugiés, les gens qui quittent l'Ukraine, ce ne sont pas des migrants. Hein. Attention, ce sont des réfugiés. Eh bien non. Il est temps de traiter tout le monde, tous les gens qui fuient des pays en guerre, comme des réfugiés, au même titre ou de la même façon qu'on traite les réfugiés d'Ukraine blanc. Pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant, vous écoutez l'interview de Sud Global Radio et notre invité aujourd'hui s'appelle Olivier Mukuna, il est journaliste et nous évoquons la situation des Congolais, des étudiants congolais qui ont dû fuir l'Ukraine en raison du conflit qui s'y déroule actuellement. Olivier Mukuna, vous me tendez une très belle perche là. Après Black Lives Matter, on a eu le sentiment que beaucoup de gens ont pris conscience de cette plaie qu'est le racisme, notamment en Europe, et tu l'as bien rappelé, même les médias qui faisaient la fine bouche par rapport à ces questions ont été un peu obligés de suivre. Or, là, et tu le décris très bien, on a l'impression qu'on vient de franchir un autre cap, parce qu'à la télé, à la radio, il y a un racisme décomplexé qui s'exprime, notamment de la bouche des éditorialistes, des journalistes. On peut faire un florilège, une compilation des déclarations du genre « ceux-là sont des blancs avec des yeux bleus, c'est des gens qui nous ressemblent, on ne peut pas ne pas nous en occuper ». Ça a été dit. Et je me rappelle dans l'émission qui a été suivie ici, Les Grandes Gueules de RMC, si je ne me trompe pas, l'animateur a justifié ça en disant tranquillement, sans être contredit par qui que ce soit, ce n'est pas du racisme, on se sent proche de ces gens-là, ce ne sont pas des Afghans ce ne sont pas des femmes afghanes avec une burqa, et c'est vraiment, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Europe, là, pour que ce discours dont on avait l'impression qu'il était dépassé, qu'on ne pouvait plus l'entendre, revienne aussi facilement au devant de la scène? Est-ce que le contexte aujourd'hui, il n'a pas changé et nous obligerait, nous, les Afro-descendants, nous, les personnes qui sommes généralement victimes de ce racisme, à nous dire que ben, finalement, toutes ces années de lutte contre le racisme n'ont servi à rien. Et en fait, nos voisins, tout le monde avec qui nous vivons, sont en fait des racistes qui n'attendaient que l'occasion pour l'exprimer. Et d'ailleurs, c'est l'époque où c'est l'ironie de l'histoire, c'est quand même en ce moment-ci où en France, pour des élections présidentielles, nous avons un candidat ouvertement raciste, M. Zemmour, et en fait, M. Zemmour ne doit sa présence à ce niveau des élections-là que parce qu'il a un discours anti-étranger, anti-noir, anti-arabe. Bon, il y avait, dans le temps, c'est Marine Le Pen qui a assumé ce rôle-là, où c'était le Front National, la Réconciliation Nationale. Mais voilà, la mayonnaise Zemmour a été montée. Et en fait, quand on écoute Zemmour, le seul programme qu'il a, c'est chasser tous les Noirs et les Arabes. C'est tout ce qu'il a comme discours. Et ce monsieur est aujourd'hui candidat, peut-être en position de passer au deuxième tour, alors que factuellement, c'est un repris de justice et c'est un harceleur sexuel en passant. Oui, tout à fait. Mais il y a trois questions hein, dans ce que tu m'as dit. Mais
ce que tu viens de développer est effectivement de manière vraiment très pertinente. C'est-à-dire, un, moi je me souviens avoir été vilipendé, traité de radical, d'extrémiste noir, etc. Quand je disais que les médias mainstream, la plupart, étaient dirigés ou étaient composés de gens racistes. On me disait, mais tu ne peux pas dire ça, c'est pas vrai, les médias sont pas racistes. Ben j'espère qu'aujourd'hui, ces gens qui me diabolisaient un peu rapidement, voilà, j'espère qu'ils vont comprendre. Moi, encore aujourd'hui, j'ai eu un journaliste au bout du fil, je lui explique sur quoi je travaille, donc c'est-à-dire ce tri racial qu'on va faire entre réfugiés au détriment des Africains, entre réfugiés d'Ukraine. Et il me dit tranquillement, comme ça au téléphone, bon, il n'est pas filmé, d'accord, mais il me dit quand même tranquillement au téléphone, oui, mais bon, écoute, c'est quand même normal que les gens aient plus envie de. Enfin, soient plus mobilisés, aient plus envie d'accueillir des Ukrainiens, parce que bon, là c'est quand même une vraie guerre, quoi. C'est sorti de sa bouche comme ça. Là, c'est quand même une vraie guerre. L'Est du Congo qui est en guerre depuis 20 ans, la Syrie, la Libye, c'est pas des vraies guerres, quoi. Mais en fait, la guerre n'est vraie Donc que ils entendent ça. quand ce sont des blancs qui sont. C'est quand des blancs meurent. Ouais, voilà. La guerre n'est vraie que quand des blancs meurent. Et alors il a essayé de se rattraper en disant oui, mais il y a la menace atomique avec Poutine. Comme si ça changeait quoi que ce soit au bombardement actuel et à la manière dont les invasions militaires se font aujourd'hui. Non, c'est ridicule. Et c'est pour aller être complémentaire à ce que tu disais. Aujourd'hui, moi, je vois une série de journalistes et même de politiques tenir des discours racistes ouverts, mais tranquille, quoi, pépère, et dire justement, c'est pas une vraie guerre, c'est raciste. Quand ça tombe, quand les bombes tombent sur les Syriens ou des Congolais ou des Afghans ou des Libyens, c'est pas des vraies guerres, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'il a dit du fond de son cœur, je veux dire. Et c'est un journaliste, un gars qui voilà. Alors donc. Ça, c'est un. Deux, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, malheureusement, l'Europe étant, pour moi, hein, de mon point de vue, surtout l'Europe francophone, elle est dans une crise identitaire qui date pas d'hier, parce qu'effectivement, elle n'a pas réglé, elle n'a pas travaillé sur sa question, sur son racisme structurel. Ce sont des racines de 5 siècles, hein. C'est avec ça qu'ils sont partis à la conquête du monde, coloniser le monde entier, faire des génocides là où tu es, sur les Amérindiens, puis les esclaves africains, sur la terre d'Amérique, tuer tous les Amérindiens qui existaient en Amérique centrale sur les îles, faire la guerre aussi en Asie. Bon, là, ils ont un peu mieux résisté, mais bon, ils ont quand même pas mal colonisé. Enfin, voilà, cette suprématie blanche, c'est un truc vieux de plus de. On est presque au 6e siècle. C'est pas en regardant ailleurs, en faisant semblant que oui, mais c'était nos grands-pères, maintenant nous c'est fini, etc., que ça va changer. C'est en s'y attaquant vraiment, et ils ne le veulent pas. Et même à la faveur de cette guerre d'Ukraine, ou à la faveur, en tout cas, là on est plongé dedans, on sait qu'il y a une propagande russe, mais la propagande européenne et de l'OTAN, mon Dieu. Oui, Elle mais commence justement par là. en même Alors, en temps, fait, c'est ce tous les serait jours dans quand même naïf de croire qu'il n'y aurait pas de propagande pendant une guerre. Ça tombe sous le sens. Non, tout à fait, tout à fait. Non, mais on entend, si tu veux, en termes critiques dans les médias mainstream européens, on entend beaucoup de critiques sur la propagande russe. Et évidemment, aucune sur notre propagande, enfin, en tout cas la propagande d'ici. Et elle Un des points de cette propagande européenne, des médias européens, c'est justement d'avoir, pendant au moins plusieurs semaines, mis le, enfin, ne pas vouloir traiter ce sujet du racisme entre réfugiés, enfin, du traitement raciste qui est organisé contre les réfugiés qui sont Oui, pas c'est vrai ukrainiens mais que qui viennent il y a d'Ukraine. même eu des gens Ça, qui ont tenté pour de moi, décrédibiliser totalement le compte rendu de ceux qui vivaient complètement. Ah ce oui, tri-là à la frontière polonaise. oui, et puis il n'y a même pas besoin d'aller sur les journalistes. Je veux dire, quand Charles Michel, dans une émission de service public française, c'est à vous, je pense,
sur France 5, dit face à quatre autres journalistes. Non, non, mais écoutez, on peut pas. C'est la propagande russe de dire qu'il y a eu des traitements racistes à la frontière polonaise. Les quatre journalistes, mais écoutez, on a vu des vidéos, il y a eu plein de témoignages. Non, 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 c'est faux, vous mentez. Voilà. Donc, quand on a des choses comme ça, ben, j'appelle ça c'est de la propagande menée au plus haut niveau européen, enfin, en tout cas, au niveau numéro 2. Et même les journalistes français en face étaient surpris du fait que un officiel européen, enfin un numéro 2 de l'Union européenne, peut nier tranquillement comme ça, en fait, un problème profondément raciste qui préexistait à cette guerre en Ukraine en Europe, mais qui évidemment maintenant se révèle dans des proportions catastrophiques. Quand il s'agit d'être en temps de crise, en temps de guerre, c'est-à-dire on doit accueillir des réfugiés qui fuient, ils sont déjà 3 millions à avoir fui l'Ukraine, ils doivent se dispatcher dans les pays d'Europe, tout le monde doit être solidaire, on est dans une crise humanitaire, et bien sûr, on va mettre le voile sur le fait qu'il y en a qui seront aidés et d'autres pas. Ben, moi j'appelle ça de la propagande, je suis désolé. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... et je reviens donc à cette critique du rôle des médias. Les médias se sont laissés gangréner par des dirigeants ou une partie des journalistes racistes et à droite. Et à qui ça a profité? À des gens comme Éric Zemmour, qui commence à devenir connu à travers toute la France et commence à pouvoir hypnotiser tous ces gens qui sont en crise identitaire et qui croient que leur vie ira mieux quand on aura vidé la France de tous ces Noirs et tous ces Arabes, et bien, ce gars-là, il a été soutenu par le service public dès 2006. Et il a fait 5 ans à l'émission phare qui était regardée tous les samedis soirs, qui s'appelait « On n'est pas couché », je crois, c'est ça. Désolé, je veux dire, le service public français porte une responsabilité dans la candidature à Zemmour à la présidentielle aujourd'hui. Le service public français, France Télévisions. Ensuite, la radio RTL, ensuite Le Figaro, ensuite maintenant CNews, qui a été le chercher. Ce type venait de se faire, comme tu as dit, c'est un délinquant judiciaire. Moi, j'ai une de ses condamnations, c'est fini, je ne travaille plus, hein. J'arrive plus à vendre un seul article. Hein. Donc lui, il a 3 condamnations, je pense, pour racisme. Il est accusé d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par les femmes. Ce mec, en 2019, et il faut le citer, le milliardaire oligarque européen Bolloré, vient le chercher pour qu'il vienne, qu'il ait une émission à lui tous les jours pour déverser sa haine raciste. Bolloré. Olivier, le terme oligarque bon, voilà, est réservé aux milliardaires russes, pas aux milliardaires français. Eh bien voilà, je suis tout à fait. Exactement, et je suis opposé à nouveau cette propagande. Nous avons aussi des oligarques et Bolloré en est un. Bolloré fait de l'esclavage dans les ports d'Abidjan au Cameroun. Et, là, et ça, c'est pas criminel, ça. C'est un oligarque français qui est salué comme un bienfaiteur, un entrepreneur qui peut acheter tous les médias et toutes les maisons d'édition pour tenir des discours racistes, rétrogrades, sexistes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On est voilà. Si par malheur, cette espèce de délinquant judiciaire raciste de Zemmour passait au deuxième tour, ce serait extrêmement grave, ce serait historiquement extrêmement grave, parce que ça veut dire que la France retourne dans ses années sombres, c'est-à-dire c'est les années 30 où elle était prête à collaborer et où elle chassait, elle stigmatisait les juifs dans sa presse et dans ses journaux avant de collaborer grâce avec Pétain, avec Hitler et le nazisme. Bon, ben, moi je trouve que la France se rapproche de cette période de plus en plus, avec les changements, etc. Évidemment, on est un siècle plus tard, mais. Enfin, près d'un siècle plus tard, mais voilà. Zemmour, c'est vraiment le néofascisme du 21e siècle, quoi. Et que tant de gens ne comprennent pas que, à part sa fixation sur les musulmans, les arabes et les noirs à sortir de France, à part cette fixation-là, ce type n'a strictement rien à proposer. Alors, vrai problème, politiques, sociaux,
Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il y a la guerre d'Ukraine avec le gaz russe? Quelle solution il a à proposer? Nous, on a besoin de ce gaz. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il a une solution à proposer, Zemmour? Aucune. Aucune, mais comme plein d'autres candidats. Donc, mais bon, lui, je veux dire, c'est tellement visible que c'est bien incroyable de bêtises, quoi, de voir que ce gars est quand même à 13, entre 13 et 15% d'intention de vote. Alors, moi, j'espère que ces sondages, comme souvent dans l'histoire des élections présidentielles françaises, se plantent. Bon, en fait, ils ont exagéré le truc, et bon, il fera 8% ou en dessous de 10%, je l'espère. Mais s'il arrive au deuxième tour, moi, en tout cas, je connais beaucoup de gens qui devront effectivement partir de France parce que ce sera trop dangereux. Et alors, pour finir avec ta dernière question, est-ce qu'on s'est battu pour rien, hein? C'est ça que tu me demandais. Tu me demandais de toutes ces années, est-ce qu'on s'est battu pour rien? Écoute, moi, je vais te dire que pour ceux qui sont venus chercher une meilleure vie et travailler et qui ont immigré en Europe, la question c'est oui, peut-être. Moi, je m'interdis cette question parce que je suis né à Bruxelles. Je suis né ici. Et c'est pas Zemmour et toute sa clique de racistes négrophobes fous furieux qui vont me chasser de où je suis, de où je suis né. Je suis né ici avec la grande fierté de mes origines congolaises et de mon père congolais et de ma famille kassaïenne que j'ai visité, qui sont venus me visiter, etc. Et ça a continué comme ça. Je partirai que si j'ai décidé de partir. Si j'ai décidé que mon combat est perdu, et alors je retournerai ou au Congo, ou j'irai même au Sénégal, j'ai de la famille aussi là-bas, etc. Mais hors de question qu'un raciste me chasse d'ici. Donc, c'est mal barré pour te répondre tout à fait franchement. Je trouve qu'on avait fait une grande avancée en 2020, on vient de reculer de manière effrayante et flagrante. Maintenant, je pense que, heureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de s'en rendre compte, et on fait cette émission ensemble, toi et moi, Maglar et moi, c'est important. C'est important parce qu'il faut que de plus en plus de gens, voilà, passent ce message et se dressent contre le traitement raciste imposé aux réfugiés qui fuient l'Ukraine et qui ne sont pas ukrainiens, donc en général africains, voilà. C'est important que, moi j'entends tous les jours parler des valeurs de l'Europe. Moi quand je vois ça, c'est pas des valeurs. Et je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que une série de gens sont en train de vraiment de se rendre compte et de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Parce que les Afghans, ils sont ici en Belgique, ben, ils n'ont pas droit à l'asile. Ils ne rigolent pas. Les Syriens, pareil, etc., etc. Il y a toute une série de gens qui maintenant sont complètement persuadés les valeurs de l'Europe c'est du pipeau et qu'on traite les gens selon des critères raciaux et de religion. Et si t'as pas la bonne race et la bonne religion, t'es de seconde zone. T'es un réfugié de seconde zone, un citoyen de seconde zone, un travailleur de seconde zone, mais t'es de seconde zone. Bon, les gens commencent à être conscients de ça. Maintenant, il faut qu'on s'organise et se batte encore plus pour que ça s'arrête et qu'on soit enfin traité à égalité entre chaque citoyen. Olivier Mukuna, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous avons discuté de l'évacuation des étudiants congolais depuis l'Ukraine. Ils sont arrivés en Belgique. On leur souhaite bonne chance. On espère qu'ils pourront poursuivre leurs études dans ce pays-là. J'ai entendu des gens dire de manière assez à l'emporte-pièce, mais pour qu'ils ne rentrent pas chez eux, il faut simplement dire que s'ils ont dû partir du Congo pour étudier en Ukraine, c'est que les conditions ne permettent pas à tout le monde de suivre toutes les filières qu'on voudrait suivre, parce que la place à l'université, elle n'est pas extensible à demeure. Donc, il y en a qui doivent partir ailleurs pour pouvoir étudier, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, forcément. Et poser cette question pour qu'ils ne rentrent pas chez eux, ce n'est pas résoudre leur problème. S'ils peuvent trouver l'opportunité d'étudier en Belgique ou en France, ce ne serait que justice, d'autant plus que cette opportunité est donnée à leurs collègues ukrainiens qui ont fui la même guerre et qui étaient dans les mêmes universités. Olivier Mukuna, en 30 secondes, est-ce que tu as un mot de la fin? Non, j'ai beaucoup parlé et je te remercie d'avoir fait cette émission, Magloire.
Et je veux juste te dire qu'effectivement, la question de se dire, oui, mais pourquoi ils ne rentrent pas chez eux, on ne la pose pas aux réfugiés ukrainiens blancs. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux? Ben, la question est bête, parce que leur pays est en guerre. Au Congo, il y a encore la guerre à l'Est, et les universités sont dans un délabrement tel qu'effectivement, beaucoup d'étudiants ne peuvent pas suivre les études de leurs rêves pour essayer de faire quelque chose de leur vie. C'est quand même évident, mais non. Et ça, c'est une vision raciste. C'est là, ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'on a essayé de ce dont on a essayé de parler aujourd'hui. Et je t'en remercie vraiment de cette émission. Et à bientôt. Olivier Vukuna, merci et à la fois prochaine.